Il y avait une autre dame rose. Celle-ci n'était pas un personnage d'une animation ou d'une BD. C'était une vraie dame qui portait beaucoup de roses. C'est ce que j'aime à Carcassonne, en fait, on peut se parler. C'est très dangereux parce que je vous entends très bien. Alors cette dame rose, elle aimait bien la musique, elle voyageait un petit peu partout, et elle avait une philosophie. Quand la vie te dit de te taire, fais du bruit. Quand la vie te dit de porter du gris, porte du rose. Quand il te vire de l'école, ne va pas à l'école. Quand tu ne veux plus écrire, parler ou lire, eh ben fais de la musique. Et comme je vous ai dit, pas comme Lollipop Girl dans les donjons, il n'existait pas cette femme. Elle portait une robe rose et elle habitait dans une maison avec une porte rose. Et ensuite, elle a voyagé autour du monde avec ce manifesto de faire de la musique, de provoquer de la joie, de métaboliser, de transformer nos peines et nos larmes en chant, en musique et en danse pour gérer mieux la vie. Et on a fait le tour du monde beaucoup de fois. Et cet été, on a retracé tellement des endroits comme ici. Ce soir, on était ensemble pendant deux concerts et on a revisité plein de gens qui connaissaient cette dame ou cette dame avec la robe rose. Et je suis tellement content que la seule chanson que j'ai écrite pour elle était une chanson complètement bitchy où je la critiquais, je la faisais chier. Parce que quand on veut écrire une chanson d'amour, comme avec sa philosophie, il faut faire l'inverse. Il faut presque taquiner la personne qu'on aime. Et donc cette chanson et ce concert ce soir et ces dates qui l'ont ramené tellement dans mes pensées, dans mon esprit, est dédié à la dame avec la porte rose, la robe rose, qui disait toujours de danser quand la vie te balance de la merde. Et cette dame, c'était ma mère. Mesdames et messieurs, la dame avec la robe rose vous demande de danser. Mesdames et messieurs, la dame avec la dame la robe rose vous dit si vous avez de la peine ou de la tristesse dans vos cœurs, dansez. Et au moins comme ça, si on danse, si on hurle, si on crie, on gâche pas notre vie.
rester dans un ballon. Tu deviens un peu plus libre. Et me dis ce que tu sur internet. Si ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Et me dis pourquoi tu te plains tout le temps. On dirait que ça lui tente. C'est pas comme ça que tu vas perdre. Et me dis un jour je ne serai plus là. Mais c'est quand t'as donné ça. Tu me dis un truc que j'aime. Et t'as déjà 38 ans, faudrait que tu te réveilles. Elle me dit, je suis toujours un enfant, tu ne seras jamais grand. Et moi je suis déjà vieille. Elle me dit, regarde un peu tes amis, qu'est-ce qu'ils vont bien de leur vie. Car toi c'est souvent elle. Elle me dit, de toute façon tu me tueras. Et puis quand elle me dit ça, elle me dit un peu je t'aime.
Vous dansez avec